Hey, salut à tous les gamers, j'espère que ça va, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui sur ce serveur, HeroCraft en compagnie de trois administrateurs du serveur qui sont Magic, c'est le Magic. Salut tout le monde. Bartox, c'est le Bartox. Salut tout le monde. Et Binko, c'est le Mikao. Salut tout le monde. Et dans cette vidéo, on va un peu vous présenter le serveur HeroCraft qui est un serveur PvP faction de 200 slots, donc c'est un très très gros serveur. Voilà un peu ses fonctionnalités, ses plugins et tout, et la map surtout qui est quand même magnifique, il y a énormément de choses. Donc alors là on est au spawn déjà, comme ça vous allez spawner. Ouais. Bon après là il y a c'est quoi c'est les règles. Ouais il y a quelques petites infos là sur les bords. Les règles sont de l'autre côté, ouais. Ouais voilà. Voilà les règles du serveur, toutes les règles sont là. Il y a énorme, bon, il y a plein d'infos là aussi comme ça c'est sympa à lire. Et moi ce que j'ai kiffé sur ce serveur c'est le spawn qui est juste magnifique. Bon, y a quelques bugs du chain qui gâchent un peu tout, mais... Ah non, c'est les nuages. Bon, je suis en god hein, pour le cas, donc je peux fly. Ouais, y a quand même des superbes créations. Ouais. Le sphinx, je l'ai fait entièrement à la main. La statue ouais, là ça. Aussi. Ouais. Aussi. Le sphinx, je l'ai fait à la main, donc arrête. Ah, je me rappelle ça. Ah non, c'est juste d'enlever. J'en ai bien chié parce que, avec Binko et d'autres qui m'empêchaient de le faire, qui faisaient les blocs, etc. C'était un peu chaud. Animation. Escarabée, on. Jagay, ça ouais, été le mis. Scarabée, c'est Jagay qui l'a fait. Ouais. Immense. Voilà, parce que franchement, les trucs ils sont super stylés. Après, il y a des pyramides par là. Sinon, ouais, alors là, au moins, il n'y a rien à visiter. Je fais un petit tour dans l'arène PVP pour voir. Ouais. Donc l'arène PVP est là, donc là on est juste sorti, on est à gauche. Hop. C'est quoi ça? On leur montre la ouais. Nouvelle. Là, ouais, alors on vient d'ouvrir là, il y a 10 ouais. Minutes une nouvelle map. L'arène de la prédiction des Mayas. Qui est faite entièrement à la main. Ouais. Moi, je te laisse passer devant, Darky. Et voilà, bon, il y a déjà des gens qui font un peu les cons avec les potions. Oh là là, ouais, Yorka, punaise. Ah ouais, en effet. Ah, on a compris, c'était qui, hein. Ouais, bah oui, c'est Yorka. C'est un maître du sable, Yorka. Ah oui. Magic aussi, d'ailleurs. Ouais, donc voilà, alors c'est une... Bon, là, c'est ça, c'est des météorites qui sont super bien faites. Il y a des bâtiments à la main, un peu en ruine. À la main. À la main, tout est fait à la main, là. Tout est fait à la main. J'étais impressionné par le travail qui était fourni sur cette map qui est franchement magnifique. Et on l'a fait en 2-3 jours, je crois. On a commencé hier soir, non? Non, hier matin. Ouais, on l'a commencé hier matin, la map là. Hier matin, et là on l'a terminé il y a 10 minutes, donc on a ouvert. Maintenant. Ouais. On l'a ouvert pour qu'elle visite. Pour l'inviter, on met le PVP à 8h. Ouais, sachant qu'il y a 18h30, on va leur montrer cette vidéo. À 18h30, voilà. Ouais, bon, de toute façon, je vais uploader la vidéo dans quelques jours. Hein, donc. Si vous voyez cette vidéo, la map, enfin le PP sera déjà largement activé. Ouais, oui. Merde, comment on sort. Et il y aura peut-être une nouvelle map. On en a fait une nouvelle là. Ouais. C'est sur le thème de la glace et. Sur le thème de la glace et voilà, elle sera aussi. Beaucoup. Enfin, pas beaucoup, mais elle sera plus grande quoi. Je suppose que c'est le portail qui est en face. Oui, c'est le portail. Ouais, ouais, voilà. C'est les ça, qui est en face. L'arène. Et je vais faire visiter un petit coup l'arène là. Bon alors là c'est vous avez vu il y a un scène de piston pour pas que les gens re-rentrent une fois qu'ils sont sortis, pas qu'ils sont rentrés. Et voilà une petite arène sympa. Ouais, donc tout est fait à la main sur ce serveur. Il y a rien qui a été fort au début, mais tout fait à la main. Qui est assez grande, il y a quelques jumps là vous pouvez voir. On a quelqu'un qui est super admin qui n'aime pas le World Elite donc. Ouais, voilà. Pas le World Elite, voilà, donc Bah, sauf pour les météorites, hein, on pouvait pas le faire en plusieurs fois. Ouais, sinon ça oui, on l'a copié-collé. Hein. Ah, ok. Oui, bah... Parce que les météorites. Enfin, il y a juste celle qui scratch de plein fouet au sol qui a été refaite à la main. Ouais. Mais sinon, les autres, ils ont juste été rotate. Ils ont. Ouais, voilà. Bah, Darkent, on va peut-être leur montrer la. Comment sont des portails, non? Ouais, voilà. Maintenant, on va attaquer la salle des portails. Hop. Voilà, donc la salle des portails, c'est en face. Voilà. Dans une pyramide. Oup, je me mute 2 secondes.
Donc re les gamers, voilà. Alors ici on est dans la salle des portails. Ouais, où il y a un peu tout, où il y a un peu tous les portails. Voilà. Bon, on va leur montrer le, on va leur montrer peut-être la Warp Event, le principal quoi. Non, non, attends, les shops, non. Ah oui, les shops, ouais, bah viens, Dark End. Ouais, bon, juste explique un peu juste les portails un par un. Alors là, c'est la prison. Un portail. À côté, vous avez le sable, la jungle. Ici, c'est WXP, c'est ça. Oui, c'est, là, c'est WXP, vous avez des donjons, ça c'est bien foutu, je vais les montrer vite fait parce qu'ils sont quand même pas mal. Ah, vas-y. Oh, mais je pense en refaire une de. Warp XP, ouais, je pense. Ouais. Ouais, donc mais ils sont pas très grandes. Non mais c'est un vrai labyrinthe ce truc. La dernière fois que j'ai fait, je me suis paumé dedans. Waouh, ça va, non, pas si grand. Bah, c'est toi Léo. Hein. Non mais je parle pas de celui-là, je parle de l'autre à la droite. Pas celui-là, parce que celui-là il est pas très très grand, ça va encore. Ah oui, bah, je trouve ça bête qu'il y ait qu'un seul jeu de couleurs avec les cubes entre le gris, le vert. Ouais mais oui mais ça. Ouais ça. On faut va, pas on dire, va le ouais. faire, on va le refaire. Ouais, on va l'en faire. C'est où la sortie? Ah ouais, tu vois, c'est un vrai labyrinthe, qu'est-ce que je disais? Non, mais au bout d'un moment, je m'en ressors quoi, mais faut juste. Bah, faut marcher pendant un petit moment et au bout d'un moment, on retombe sur le spawn. Merci. Et en face, bon, j'ai pas rentré dedans, j'ai pas trop m'enfoncer dedans cette fois-ci. Non, mais il est petit celui-là, je crois, non? Non, c'est le plus grand, c'est le plus grand. Ok, donc celui-là, c'est le même, mais dans le style avec des pygmènes en fait. Ouais, en gros, c'est le même, et c'est un vrai labyrinthe ce mec. Ouais, bon, ça, j'ai pas rentré. Hop, je ressors directement, comme ça moi je suis sûr. Ah, je suis où là? Hop. Je sais pas. Bon, tant que vous ressortiez, je continue la présentation des portails. Ouais, des portails. Ah, attends, viens Darken, viens, faut leur montrer en haut la salle des têtes de tous les joueurs qui sont passés, non? Ah oui. Mais on la continue plus, je pense que je vais la continuer moi, mais voilà. De tous les joueurs qui sont passés, ça fait un peu beaucoup, non? Ouais, et encore, on en a loupé. Hein. On en a loupé plus d'un mur, je pense. Ouais. En tout. Je suis où moi d'ailleurs? Mais ouais, t'es pas là. Regardez-moi, je suis là. Ouais, donc c'est assez stylé. Ouais, donc en fait, quand vous tuez quelqu'un, vous récupérez sa tête, donc ça vous fait des trophées, ça c'est stylé. 10% je ressens. Quoi? Bah, t'as une. Il y a 6% de chance de récupérer. Ouais, la tête. T'as 10% de chance. T'as un pourcentage, voilà, mais sauf si t'es admin, toi, ou t'es hop, tu l'as tout le temps. Tu l'as tout le temps. Et tiens, je viens de poser la tête à Magic et Dark Kent là. Oh, bisounours. Là. Ah, bah, si, il y a ma tête maintenant. Maintenant. Ah voilà, moi les gens, si vous voulez me voir, bah je suis là. Donc après, il y a les restes des portails qui se trouvent là. Donc alors, là, il y a la farm. Bon, je vais pas rentrer dedans parce que je vais faire une vidéo assez courte. Il y a le Nether ici. Et ici, il y a les events. Bah viens, on va quand même voir l'event, non? Ouais, l'event, je vais quand même montrer parce qu'il y a des constructions quand même. Ah ouais, d'accord. Aussi tout fait à la main. Ouais, et il y a des pixel art fait par je sais pas qui, je crois que tu sais toi Binko. Ah oui, je sais, c'est un petit IRL à moi. Il s'appelle Emric Nakis57. N'empêche, il gère au niveau pixel art. Donc là, voilà, il y a un Jumpcraft, là-bas il y a un Spliff. Par contre, les deux autres, je sais pas trop ce que c'est, désolé. De quoi? Ici, c'est. Ça c'est mon event, c'est l'event de chance. Si tu veux, on va, bon, cut les on va cut les, le bois. Vas-y, attends, ouvre. Alors, c'est moi. Et voilà, tu vois, il y aura plein de gens ici. Tu vois, ouais. On cut le bois en dessous. Et comme il n'y a plus de bois, ça va se. Les feuilles vont s'enlever petit à petit. Et c'est le dernier survivant sur les feuilles. Alors. Ah ouais, c'est super stylé ça. Et lui, j'allais bien sur un serveur, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Comme j'ai bien aimé. Là-bas, il y a la zone Babyfoot, je crois. Ah ouais, la zone Babyfoot, ouais. C'est la zone Babyfoot, en fait, c'est un event. Bah, pas tellement event. Si, c'est un event avec des arcs, etc. Ouais, il y a énormément de drops, c'est impressionnant à voir. Ah oui. C'est trop chaud. Babyfoot, ok, ouais. Babyfoot, c'est en dessous là. Voilà, ok. Ouf. Regardez, attention. Lag. Boum. Vas-y, viens, j'ai ouvert. C'est quoi ça? Ouais. Bah, si, juste les gens, je fais une petite ellipse parce que j'ai un gros lag. Ah oui, ça, c'est un fail. C'est pas ça, c'est un fail. Je reviens. Re tout le monde, donc voilà. Je suis Babyfoot, on va pas le montrer parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait un petit fail dedans. Donc on va éviter. Il y a aussi un event qui se passe de temps en temps aussi. Et il y a un nouvel event aussi, attends, je vais te taper là-bas. Ouais, ah bon. Tu peux me remettre en god, ça plaît, parce que ça m'a enlevé en fait. Okay, attends, je rejoins l'équipe, Léo. Ok. Lâche. Et je vais te taper à l'event là, comment.
Voilà. Je tape comme ça. Ah oui, c'est vrai. Et oui, les 22 grecs. Non, c'est pas les 22 grecs. Oui, c'est les 22 grecs. C'est les 22, c'est les 22 slasher. C'est un Castelloir. Castelloir. Ok, ok. Mais tu as peut-être montré le plugin Paintball aussi, non? Non, mais j'ai pas trop tardé parce que. Bah viens, on monte juste la map, elle est juste là. Il y a tellement plein de choses. Okay. Ouais, il y a énormément de choses. Bien sûr, moi. La vidéo serait beaucoup trop longue. Et que je vais pas faire une vidéo très très longue, je vais tout de suite enchaîner en fait sur les. Bon, je vous fais une petite annonce. Vas-y, passe par là. Je vais faire une. Non, attends. Une petite série tutoriel de PVP en fait sur ce serveur. Avec plein de petites astuces que vous pourrez avoir. Donc voilà, ça c'est la map de Paintball. Alors oui, on a mis le plugin Paintball, donc toi Léo, comme tu sais les commandes du Paintball, dis-leur comment. En gros, vous spawnez soit dans un... Bah, il y a deux spawns. Il y a spawn bleu, spawn rouge, vous avez deux équipes en gros. Vous avez des boules de neige et bah, vous devez tuer les ennemis avec vos boules de neige. Voilà, c'est juste ça. Juste la sortie. Ah, elle est là. La sortie, il y en a pas. De neige. Après, il y a quelques sous. Par exemple, si on gagne, il y a des sous. On peut acheter des items spéciaux. Des items, voilà. Par exemple, une tourelle automatique. C'est... Ouais. Ça, en fait, c'est un bâton. Okay. C'est un bâton. En gros, c'est du Black Ops. En gros, c'est du Black Ops. Ah, du Black Ops pure à l'âme, tu vois. Oui, voilà. En 2D, tu vois. juste, il y a quand même un dernier event qui est super stylé. Vous pouvez me. Enfin, le. Attends, je vais faire voir PVN, slash warp. Event. Oui, alors vous avez un. Oh, merci. Tu parles duquel? De celui-là, c'est un event drop. Ah, c'est un event gift ça. Ah, ouais, l'event voilà. Gift. Donc il y a plein de choses dedans. Bah, là, y a plein d'items. Là, il n'y a rien là pour le moment. Ouais, voilà. Et en fait, je vous explique. Y a une... En fait, y a du... ils mettent du stuff dedans. Vous voulez, moi je me fais comme ça. Quoi? Et y a un admin qui s'occupe du. Voilà, ouais. Et il y a plein d'events, il y a plein d'items qui tombent, il y a du stuff diamant, il y a des beacons, des under chests, il y a énormément de choses super intéressantes. Et il y a tous les joueurs qui se massent et qui récupèrent tout. Ouais, sauf que c'est pas tous les jours non plus ça. Ouais, une fois par semaine. En général, on essaie de faire un event par jour, sauf qu'on peut pas, comme aujourd'hui par exemple, vu qu'on a fait la map. Ah, c'est la map, voilà. Moi, je sais pas, j'ai eu de la chance, le premier jour où je suis arrivé, il y avait un event drop. Donc, Ouais, t'as eu du bon. Ouais, donc sinon, juste il y a autre chose à montrer sur le serveur ou c'est tout, on a fait un peu près le tour? On a fait un peu les shops. Ah oui, les shops. Ah oui, le shop, j'ai oublié. Flash Warp. Et question, Darkhead, est-ce que t'as fait le tour des égouts de la map qu'on vient de faire? Ouais, non, au pire, c'est un secret, comme ça, moi, les gens ils le découvriront. Ouais, j'avoue. Ouais, ils le découvriront. Bah voilà, avec des magnifiques. Pour le petit piège. Avec des magnifiques hiéroglyphes par Ajagies et le. Alors, ça, on ne sait pas comment. On ne sait toujours pas comment il a fait ça, Jagayes, là, ce soleil. Ouais. Mais on en a chié, n'empêche, pour faire. Ah ouais, les hiéroglyphes. Oui. Ah ouais, bon, il y a des super hiéroglyphes. J'ai quelques bugs de chunk. Il y a des superbes hiéroglyphes partout. Et ici, vous avez les shops. Où les gens, vous pouvez acheter des choses. Non, il s'en est pas servi. Il l'a même pas ouvert. Mute ton micro, s'il te plaît. Donc voilà, bah écoutez les gens, je pense qu'on a fait le tour de les gens. Ouais, bah ouais, je pense. Bah écoutez, bon alors je vous dis tchuss pour une prochaine vidéo sur ce serveur. Et bah oui, prenez soin de vous. Tchuss. À plus. Au revoir.